Bonsoir à toutes et à tous et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble pour commenter la Team Dada évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur Benjamin Da Silva, et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1, Rennes face à l'OGC Nice. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Ça y est, le coup d'envoi est donné. La compo de l'OGC Nice, Kasper Schmeichel dans le but, Jean-Claire Todibo avec Dante au centre de la défense, Nicolas Pepe sera avec Sofiane Diop sur les côtés, et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Keïtan Laborde, le plongeon pour intercepter cette balle. L'équipe tente une combinaison. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Ce coup de pied arrêté et joué court. Ah, le centre est dévié, ça méritait plus d'application. Lovro Maier. Voilà, c'est plutôt bien. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Le match débute à peine et elle sort déjà un carton jaune. C'est un avertissement pour tout le monde. Oui, elle n'a pas l'intention de laisser les choses se déraper. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Durham, Lemina, la transmission pour Laborde, ballon pour Andy Delors, ah oui, l'excellent ballon, et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. En deux temps, attention, bien la place pour frapper. Intervention du gardien. Nouvelle occasion avec ce corner.
le corner. Et voilà! Et qu'est-ce qui se passe? Déjà le premier but, quelques minutes de jeu, c'est beau et c'est bon! La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré, ça empêche la défense d'intervenir correctement. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Thuram avec le ballon. Et c'est envoyé vers la surface. Un centre bien détourné par la défense. Ouais, bien fait, il est passé. Il s'est gardé aucune difficulté par Mandandal. Tay. Le ballon pour Guiri. Kalimuendo. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Gaëtan Laborde. La transmission pour Laborde. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ah non, ce ballon est perdu. Avec Amine Guiri. Pour Kalimuendo. Kalimuendo. Et c'est capté sans souci par Kasper Schmeichel. Lemina. La transmission pour Laborde. Delors. Ah, il y a du champ pour les Aiglons sur le côté. Ballon pour Khéphren Thuram. Très bien défendu, sans commettre de faute. C'est un ballon de contre à jouer. Martin Terrier. Ah, il est passé sur ce bon geste. Il prend sa chance. Ah, la frappe est contrée. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ce corner, c'est même peut-être l'occasion d'égaliser. Il est joué court. Avec Amine Guiri. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Par. Avec Khéphren Thuram. Sofiane Diop. Sur le côté, Nice a de l'espace. Il peut frapper, Gaëtan Laborde. Oh oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez. Tout l'art d'être au bon endroit, dans le bon moment, c'est ça, le buteur et le bonheur. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Aïe, 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 la faute, et attention. Parce qu'un nouveau carton jaune, c'est synonyme d'exclusion.
Et pas de deuxième carton jaune sur l'action. Là, c'est plutôt clément de la part de l'arbitre. C'est bien de jouer avec le cœur, mais il faut jouer avec la tête aussi. Maillère. Le tir de Maillère dans les bras du gardien, sans problème. Et on peut dire que le plan ne se passe vraiment pas comme prévu pour l'équipe locale. Vivement à la mi-temps. La situation est difficile dans ce match. L'équipe peut le faire, c'est certain. Deux buts, c'est possible. Mais avant de penser à remonter, il faut penser à jouer, participer, s'enthousiasmer. La pause va leur faire du bien. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Il semble bien intercepté, ça ne donne rien. Une bonne intervention de la défense sur ce duel, le ballon est en corner. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ballon arrêté, Mano Tasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Bourigeau. Ouais, la différence est faite. Et voilà, on n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Eh oui, quel joueur! Il peut être au début, au milieu ou à la fin d'une action. Et il reste impliqué pour marquer des buts. Il est inspiré par les attitudes. C'est reparti pour ce match avec donc Nice qui fait la course en tête. Allons pour la borde et le gardien s'illustre bien. Un corner qui est bien ajusté dans les gants, sans souci. Thuram. Ça joue avec Pépé. Un bon pressing. Ballon récupéré. La faute. L'arbitre siffle. Mouvement à venir. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Remplacé par le numéro 80, Cheka. Le coup franc joué à terre. Ramsey. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé. Ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. C'est un bon ballon, ça. À la frappe puissante, passe très loin de la cage alors que le but semblait tout fait. Quelle erreur! Dans les tribunes, c'est la stupéfaction. Oh, elle est pas bonne cette relance. Oui, la parade.
La récupération haute, le pressing est payant. Oh, attention à ce ballon. Oh, et encore un but, plus 3 au tableau d'affichage. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. C'est reparti dans ce match avec donc 3 buts d'avance en faveur de Nice. En bonne position pour tirer au but. Attention là, Andy Delors. Goal, 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 goal. Et encore un, et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. On sent un certain énervement dans les tribunes du stade. En même temps, ce n'est pas très surprenant vu la prestation assez indigne proposée par leur équipe. Le centre bon, on le revoit, mais ce qui pose question, c'est surtout la non-réactivité des défenseurs sur cette action. Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allons pour la board. Oh, la frappe au but. Tir contré, sans difficulté. Ah, il est loin. Oui, bien fait de la part du gardien. Et le changement va donc avoir lieu. Cornea. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Le tir lointain. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Combinaison, ça joue en deux temps. Voilà le bon geste défensif, c'est contré. Et c'est une frappe. Allez, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. De nouveau, un corner à jouer. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. C'est porté aucune difficulté par Mandanda. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. La passe vers Adrien Truffert. Amine Gouy avec le ballon. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Delors. Gouiri.
Et ça joue sur Tcheka. Oui, le tir. Et le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Et non, l'arbitre qui revient à la faute. L'avantage ne profitera pas du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Jordan Lotomba. Andy Delors avec la balle. C'est écarté, aucune difficulté par Mandanda là-dessus. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Ballon pour Andy Delors. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Oh, le bon plongeon. Petite astuce, c'est jouer court. Bon, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Le ballon vers Sofiane Diop. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Et l'arbitre indique les 6 mètres. Et pas d'erreur là-dessus, attention. Maillère. Ouais, ballon perdu par le Stade Rennais. Ballon pour Khéphren Thuram. Ouais, le bon réflexe là. Ce coup de pied arrêté et joué court. Oh, attention à ce centre. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et l'équipe retrouve la possession. Pour Benjamin Bourigeaud. Thuram reçoit le ballon. Et c'est donc une touche. Benjamin Bourigeaud. Terrier reçoit le ballon. Attention, Martin Terrier. Et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score. Mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien lue. Le coup de sifflet final dans cette rencontre et c'est la défaite pour le Stade Rennais. C'est une défaite assez nette. C'est plutôt inhabituel pour une équipe de cette catégorie. Ça ressemble plus à un accident.